Le système circulatoire chemine au gré des gigantesques travaux humains. L'irrigation se fait tranquillement avec les fins capillaires qui relient les vénules aux artérioles. Ces réseaux arborescents, les lits capillaires, sont sous constante pression. C'est plus prudent d'ailleurs. Sinon, apparaissent thromboses, collapsus ou épanchement péricardite. Quand tout fonctionne bien, on dit alors que l'homme est vénard et ne manque pas de cœur. Mais le plus souvent, le système circulatoire n'est pas navigable. C'est regrettable. Quel dommage de ne pouvoir observer la nature depuis un chenal. Lorsqu'il arrive que ces canaux soient navigables, on peut alors errer le long du chemin de halage et observer les atriums, les veines, l'aorte, les artères, les valves et les ventricules. De merveilleux paysages qui s'offrent aux promeneurs solitaires. Mais encore faut-il avoir la curiosité prométhéenne de caresser les écluses.